C'est le titre d'une chanson, justement, et qui date du début du XXe siècle, hein, et qui a été reprise entre-temps par d'autres groupes. Et c'est une chanson qui raconte un peu le spleen du personnage qui a envie de rentrer chez lui. Et donc il y a 2000 Rocky qui a envie de rentrer chez lui. Donc moi, j'ai envie de dire autre chose avec ce titre, justement. Le blues, comme vous savez, ça, c'est une forme de complainte par rapport à ce qu'on ressent en tant qu'être humain. Et puis le blues, ça, c'est aussi toute l'histoire des Noirs aux États-Unis. C'est une histoire qui vient de très très loin. Et donc, il m'a semblé que le titre, était tout à fait idoine, adapté à ce que je voulais raconter dans le roman. Ce roman, ça se passe, comme le titre l'indique, à Milwaukee, donc dans le Midwest, aux États-Unis. Et un type est interpellé par la police, et puis il va mourir sous le genou du policier. Ce qui, au départ, pouvait passer pour une bavure regrettable, va prendre des dimensions extraordinaires pour plusieurs raisons. La première, c'est que la scène est filmée et par les passants. Donc, on est quand même au XXIe siècle. Et quand la scène est filmée par les passants comme ça se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et c'est repris par les télévisions du monde entier. Donc, ça va prendre une ampleur vraiment énorme à l'échelle pratiquement planétaire. Donc, ça, c'est la première raison qui va forcer la police très vite à suspendre l'auteur du meurtre, en fait. Ensuite, le policier est blanc et la victime est noire. Et donc, on est aux États-Unis avec le passé qu'on connaît de ce pays-là, Milwaukee, qui a été décrété par notamment le président de Milwaukee Bucks, qui est l'équipe de basket de Milwaukee, comme la ville la plus ségrégée des États-Unis. Donc, à ce moment-là, forcément, il va y avoir une réaction en chaîne et tout le monde monte au créneau d'une certaine façon. Donc, on en parle dans le monde entier. Sauf que on ne connaît pas tellement cette personne-là. On parle, il devient une espèce de symbole de martyr, mais on ne sait pas qui il est, ce monsieur-là. Donc c'est à ce moment-là que, dans le roman, en fait, le roman prend deux directions, un petit peu comme ça. Il y a tous ses amis qui viennent pour raconter qui il était. Donc d'abord, il a été arrêté parce qu'il, d'après le gérant de la supérette où il est entré pour acheter, il aurait essayé d'écouler un faux billet. Or, la loi aux États-Unis oblige les gens qui ont affaire à ce cas d'appeler la police. Et le gérant pakistanais, maintenant, culpabilise énormément. Donc, il raconte. Et ce monsieur qu'il ne connaissait pas. Ensuite, il y a les amis d'enfance qui arrivent et qui viennent parler de lui. Donc, on remonte sa vie d'une certaine façon. Depuis son enfance, dans les quartiers nord de Milwaukee, qui est un quartier un petit peu ghetto, où ils vivent une grosse communauté comment dire, de noirs. Et donc, ces gens-là racontent son enfance. Et puis, il y a son institutrice, pardon, une vieille dame très âgée, blanche, qui, elle, essaie de raconter le petit garçon qu'il a connu. Donc, toute l'histoire de ce type, qui s'appelle Emmett, remonte à la surface. Donc, maintenant, le blues, justement, traverse le livre de bout en bout. T'as vu, le blues, le jazz, le gospel, par exemple, on le trouve à la fin du livre, une espèce de playlist comme ça de chansons qu'on peut écouter, dont Milwaukee Blues, ou bien Vietnam Blues, ou Alabama Blues aussi, que lui, il chantait quand il était et petit. Ce qui est important dans un cas comme ça, c'était justement de prendre le personnage, de prendre un individu, de dire que tiens, cet individu, ça pourrait être mon frère, mon cousin, et mon ami, et mon oncle ou mon père, par exemple. Donc, à ce moment-là, on se sent concerné et peut-être on peut réagir par la suite. L'histoire, si je l'écris, le roman, sur un an, donc après le drame de George Floyd, mais j'y pensais bien avant. J'y pense depuis au moins
au moins 2014, depuis le drame qui est intervenu dans pratiquement les mêmes conditions. La première fois à New York, en juillet 2014, où un vendeur de cigarettes à la sauvette, Eric Garner, avait été interpellé par des policiers blancs qui vont appliquer la même technique de maîtrise, de neutralisation, en mettant le genou sur... comment dire, les épaules de la personne interpellée qui va mourir. Il a été le premier à prononcer cette fameuse expression que tout le monde reprend aujourd'hui, « I can't breathe »,« je ne peux pas respirer », et qui a été reprise par la suite par les associations, des mouvements comme Black Lives Matter et d'autres. Donc c'est quelque chose auquel je pense depuis un bout de temps. Et étant, encore une fois, haïtien, ayant cette histoire aussi... cette histoire participant quelque part de mon identité aussi. Donc forcément, je suis sensible à tout ça et j'y pense depuis très longtemps. Et puis, donc, comme vous le savez, Haïti se trouve très proche des États-Unis et on a tous, pratiquement tous les Haïtiens, on a de la famille aux États-Unis, donc on y va régulièrement. On a tous des sœurs, des frères, des neveux, des nièces ou des cousins ou des amis d'enfance, des amis de lycée aux États-Unis. Donc c'est un pays dont on est très très proche. Donc forcément, c'est quelque chose qui me parle depuis très longtemps. Et le drame de George Floyd, avant ce drame-là, celui de Garner, ont été les deux déclencheurs, en fait, de cette histoire qui m'accompagne et depuis fort longtemps.